Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Mathieu. C'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui à animer ce congrès avec toi en personne. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. C'est vrai que ça fait du bien de se voir en vrai et pas seulement en virtuel. Exact, mais que veux-tu à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle? Ah oui, tu as bien raison. Alors, chers membres, merci. Merci beaucoup d'être présents, d'être avec nous et en aussi grand nombre ce matin pour assister au congrès spécial virtuel. Nous avons tout un programme pour vous ce matin. Émilie, as-tu envie de nous présenter la matinée? Avec plaisir, Mathieu. On va avoir toute une matinée, je vous le dis. Je ne dévoile pas tout, je me garde des surprises, mais voici les grandes lignes. On va débuter par le bloc élections avec Maître Céline Tessier. Par la suite, on va avoir une mise au point de la part du ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Et puis, ce sera le moment du bloc affaires du parti avec la directrice générale, Brigitte Legault. Ensuite, un spécial éducation avec le grand Jean-François Roberge. Et avant de conclure, nous aurons notre tour de table avec nos quatre ministres qui viendront nous parler de réinvestir dans nos régions. Et pour terminer, nous aurons un invité spécial et là, j'en dis pas plus. Oh, tu nous gardes le suspense, Émilie. Effectivement, c'est une matinée très, très remplie. Tu sais que nous ne serions pas là comme députés si nous n'avions pas des équipes de militants et de bénévoles pour nous appuyer et nous aider. Et c'est au nom de tous les députés que je les remercie et que je vous invite à regarder maintenant ce qui suit. Merci, chers bénévoles. J'ai une pensée spéciale pour mon équipe de campagne et également pour les CAC Girls ce matin. On apprécie énormément votre travail à tous. Exact. On apprécie énormément votre travail à tous, chers bénévoles. Maintenant, Mathieu, cédons la parole à Maître Céline Tessier pour le premier bloc de cette matinée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous le savez, les membres qui étaient intéressés à soumettre leur candidature pour un poste sur le Conseil exécutif national avaient jusqu'au 7 octobre dernier. Et à cette date, suite aux candidatures reçues, nous avons confirmé 7 de ces candidatures. Un seul poste sera en élection aujourd'hui, celui de la présidence du Conseil. Pour les autres postes, je suis très heureuse de confirmer dans leurs fonctions les personnes suivantes. Au poste de président de la Commission politique, M. Marc Baclini. Au poste de vice-présidente de l'Est du Québec, Mme Christiane Gamache. Au poste de vice-président de l'Est du Québec, M. Benoît Rochefort. Au poste de vice-présidente de l'Ouest du Québec, Mme Suzanne Labbé. Et finalement, au poste de vice-président de l'Ouest du Québec, M. Gilles Briand, et on les félicite. Maintenant, au poste de président du Conseil, deux candidatures ont été validées. Nous avons fait un tirage au sort pour l'ordre de présentation. Ce sont deux dames et elles auront toutes deux 2 minutes 30 secondes pour vous présenter leur candidature. Nous débuterons donc avec Mme Sarah Beaumier pour ensuite enchaîner avec Mme Alice Khalil. Eh bien, bonjour à tous les membres qui participent au congrès de notre parti. Salutations bien spéciales aux jeunes militants de la CRCAQ qui ont, eux, organisé de façon impeccable un congrès virtuel il y a quelques semaines.
C'est vraiment l'événement qui a pavé la voie pour celui-ci, alors bravo. Je veux vous remercier d'être à l'écoute. C'est pas banal ce que vous faites aujourd'hui. Prendre du temps pour militer au sein d'un parti politique en 2020, ça démontre un engagement hors du commun. Ça veut dire que vous croyez en la démocratie et que vous croyez que votre contribution est importante. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de l'importance de votre contribution et du rôle du Conseil exécutif national que je souhaite présider. Ce conseil doit être à l'écoute et il doit honorer votre engagement. Moi, j'ai été candidate aux élections de 2018 que la CAQ a remportées haut la main. J'ai fait campagne aux côtés de plusieurs d'entre vous. Je suis aussi membre d'un comité d'action locale sur l'île de Montréal. Alors, vous vous demandez peut-être quel genre de présidente je serai. Eh bien, je serai une présidente de terrain, à l'image de mes implications avec le parti jusqu'à présent. Je serai une présidente à l'écoute. Sous ma gouverne, le Conseil exécutif répondra aux besoins des membres d'abord et avant tout. Je solliciterai vos idées, j'amplifierai vos initiatives et je m'intéresserai à vos critiques. Bref, je veux que le Conseil exécutif travaille pour vous. Quand on a trois jeunes enfants, et c'est pas évident de s'engager en politique. On connaît tous le climat de méfiance face à nos leaders. Eh bien, cet état des choses, je ne veux pas le laisser me définir. Je veux que mes enfants croient en la valeur du service public, qu'ils grandissent avec l'exemple d'une femme qui n'attend pas les conditions idéales pour faire une différence. Et c'est à la Coalition Avenir Québec où, comme vous, j'ai trouvé ma place. Depuis que j'ai pris ma carte de membre en 2012, j'y retrouve une communauté de pensée. Un parti politique qui est ambitieux et fier, mais jamais arrogant. Un parti où être pragmatique et être empathique ne sont pas opposés, mais plutôt conjugués. Un parti où la diversité est célébrée, puisque c'est l'essence même de ce qu'est une coalition. Un regroupement de gens différents qui se renforcent les uns et les autres. Je vous laisserai avec ceci. Si vous souhaitez une présidente sincère et combattante, qui sera écoutée et rassemblée, je suis la personne qu'il vous faut. Le Conseil national doit honorer votre engagement et redevenir l'outil des membres pour les membres. Merci. Chers membres, je suis Alice Khalil. Je suis une professionnelle en technologie de l'information, en cybersécurité, mère de deux enfants et actuellement présidente de la CAQ. Engagée dans le monde politique depuis plusieurs années, je bénéficie d'un excellent réseau de partenaires communautaires. Comme présidente sortante de l'exécutif national de la CAQ, je suis fière de mon équipe et du travail colossal accompli depuis les deux dernières années. Les trois grandes raisons pour lesquelles je suis à la CAQ sont l'intégrité des mœurs politiques, la laïcité de l'État québécois et la loyauté à notre chef et nos idées et convictions. J'ai représenté la CAQ aux dernières élections et la défaite a été largement compensée par notre victoire historique pour gouverner le Québec. La présidence de l'exécutif national est une fonction bénévole, exigeante et demande beaucoup de disponibilité, spécialement en ces temps de crise sanitaire. Malgré cela, je suis fière de vous représenter. J'ai parcouru de milliers de kilomètres dans toutes les régions du Québec pour aller à votre rencontre. J'ai partagé avec vous nos succès et nos défis comme militants. Et même si la COVID est venue freiner nos activités, avec l'aide de la permanence, tout a été fait pour maintenir le contact en mode virtuel avec les présidents de CAL, les militants, les députés et les ministres. Je tiens à vous en remercier très sincèrement. Et pour garder la grande fierté qui nous habite tous et toutes, je suis prête à continuer pour les deux prochaines années à la présidence de la CAQ. Vous voyez, nous sommes déjà à mi-mandat et 2022 est à nos portes. Je veux créer des liens encore plus solides avec l'aile jeunesse. Je veux rapprocher les communautés culturelles et bien sûr consolider les relations avec les régions. Notre parti doit poursuivre son développement tant sur le plan de mobilisation que du financement. Je voudrais continuer d'être à l'écoute des préoccupations des membres. Je suis prête à vous soutenir, vous, les membres, car les deux prochaines années seront très cruciales. Avec votre appui, nous irons ensemble, avec notre chef, vers notre deuxième victoire qui sera, j'en suis convaincue, encore plus éclatante que la première. Je vous remercie de votre confiance.
Merci, mesdames, et bonne chance à vous deux. Alors, vous voulez voter? Voici comment le vote se déroulera. Tous les membres, en règle, au 7 octobre dernier, recevront, sous peu, ou vous avez peut-être déjà reçu, un courriel et un texto avec un lien vers votre bulletin de vote. Vous aurez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour voter et valider votre bulletin. Nous annoncerons le nouvel exécutif complet par l'entremise d'un courriel qui sera envoyé à l'ensemble des membres demain. Si jamais vous avez une difficulté, vous n'avez simplement qu'à contacter support@lacac.org ou téléphoner au 1-866-416-2960. Bon vote et bonne journée. Merci, Maître Tessier. Vous savez tous que la pandémie a laissé des traces indélébiles sur bien des aspects de notre vie et elle laisse malheureusement de nombreuses familles dans le deuil. Alors, s'il vous plaît, avant de rejoindre le ministre de la Santé, j'aimerais que nous gardions une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la COVID-19. Bonjour à toutes et à tous. La vidéo qui a été projetée nous rappelle que trop de gens ont été fauchés par la COVID-19. Ce virus est sournois et nous fait vivre une période plus que particulière. Nous sommes en situation d'urgence sanitaire depuis près de 8 mois. Ce fut un défi énorme de lutter contre un adversaire que l'on ne connaissait pas. Nous n'avons pas simplement réagi à ce qui nous arrivait, nous avons aussi construit une réponse structurée et porteuse. Par exemple, la COVID nous a permis d'accélérer certaines choses. Pensons, entre autres, à la valorisation des préposés aux bénéficiaires ou aux gestionnaires responsables dans chaque CHSLD. On a aussi fait un gigantesque bond en avant en interdisciplinarité avec le décloisonnement professionnel. Nous avons déployé la télémédecine à une vitesse inimaginable. On a aussi fait un important virage dans le soutien à domicile. Grâce à une réponse intelligente au printemps dernier, nous sommes mieux outillés pour faire face à la deuxième vague. Lorsque la population nous a accordé sa confiance en octobre 2018, nul ne pouvait prévoir l'arrivée d'une pandémie de cette ampleur. Cette relation unique que nous avons bâtie avec les Québécois dès notre arrivée au gouvernement constitue l'élément le plus important pour vaincre ce foutu virus. Au-delà de la COVID, nous avons aussi pris des engagements auprès de la population et nous devons tout faire pour les réaliser. Nous devons mener de front les dossiers urgents reliés à la crise sanitaire actuelle, mais aussi les dossiers importants pour la santé de l'ensemble des Québécois. En santé et services sociaux, nous avançons dans la bonne direction. Tout en luttant contre la COVID-19, nous travaillons également sur la réalisation de nos engagements électoraux. Par exemple, nous continuons d'avancer en matière d'accès à un médecin de famille. 81 % de la population est inscrite auprès d'un médecin de famille. Pour s'assurer d'un accès à 36 heures auprès d'un médecin de famille ou d'un professionnel de la santé, mon collègue Lionel Carman est en train d'élargir l'utilisation de Rendez-vous Santé Québec qui nous permettra de mesurer notre engagement. En ce qui a trait à notre objectif de réduire l'attente à 90 minutes en moyenne avant de voir un médecin à l'urgence, l'attente demeure un défi. Nous sommes à 126 minutes.
Toutefois, nous avons mis en place une équipe de choc qui fera la tournée des urgences qui sont en plus grande difficulté. En chirurgie, nous nous étions engagés à conclure des ententes avec des cliniques privées de chirurgie parce que nous voulions que les personnes soient opérées dans un délai raisonnable. La COVID-19 est venue bousculer les choses, les listes d'attente ont augmenté, mais pour continuer à rattraper le retard, les établissements de santé ont déjà 14 ententes de signer avec des cliniques afin de réduire les délais d'accès à la chirurgie. Je pourrais vous parler longuement de tout ce que nous avons fait, les maisons des aînés que Marguerite est en train d'implanter partout au Québec, toutes les actions posées par Lionel pour intervenir de façon précoce auprès des enfants, dont le remboursement des lunettes aux 2 ans pour les moins de 17 ans, un meilleur soutien financier auprès des parents d'enfants handicapés, les négociations avec les médecins spécialistes, les tarifs de stationnement des hôpitaux, et j'en passe. La COVID-19 nous a ralenti, mais on continue d'avancer. Il faut donc lutter contre cet adversaire coriace et nous devons le faire tous ensemble. Ensemble, parce que cet adversaire n'est pas libéral. Il n'est pas péquiste ou de Québec solidaire. C'est la COVID-19. On doit être tous contre la COVID-19. Après, il y aura du temps pour la partisanerie et la CAQ sera au rendez-vous. Bonne journée à tous. Merci, M. Dubé. Merci, M. Dubé, pour ce récapitulatif. Naturellement, nous renouvelons encore une fois nos condoléances aux familles des victimes. Et maintenant, Mathieu, si on regardait du côté du parti. Oui, tout à fait. Nous en sommes maintenant au deuxième bloc, celui qui va présenter les affaires du parti, animé par nul autre que notre directrice générale elle-même. Donc, veuillez accueillir chaleureusement l'exceptionnelle Brigitte Legault. Hey, merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci, Mathieu. Chers membres, fait vraiment plaisir de vous accueillir à ce congrès spécial. Comme vous savez, c'est une année mouvementée qui nous a obligés à revoir certaines programmations, surtout à annuler ce congrès. Donc, je vais prendre l'occasion, parce que c'est rare qu'on souligne leur travail, j'aimerais tout simplement souligner le travail de l'équipe de la permanence qui a été disponible tout au long de la première vague et encore aujourd'hui. Ils ont su rapidement trouver les mots pour vous rassurer, mais aussi accompagner nos exécutifs de CAL, notre caucus, et rester en contact avec les militants. Et aussi, on a vu tantôt une vidéo, mais chapeau à l'ensemble de nos présidents de CAL, de la Comité d'action locale, la relève, l'équipe des jeunes, nos bénévoles qui sont restés connectés avec les militants, personnes plus âgées, leurs voisins, bref, tous les concitoyens du Québec. Vous avez suivi tout au long de cette année, puis vous nous avez donné beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, merci, merci, merci. Cette année, notre défi était d'accompagner nos CAL, donc nos associations de comté, notre caucus, nos militants, avec des formules d'événements adaptées à la nouvelle réalité. C'est dans cette optique que plusieurs nouveaux outils ont fait leur apparition et nous donneront une flexibilité avec la participation. Simplement à passer aux conférences virtuelles, cocktail numérique, webinaire ou, comme aujourd'hui, un congrès 100% numérique. Nous avons été à l'écoute des membres pour s'assurer que les moyens qu'on utilise soient faciles et procurent une expérience vraiment agréable. On va augmenter la visibilité de nos moyens de communication, le postal, le texto, le messenger, alléluia, et ce qui permettra de respecter vos préférences et sélectionner qu'est-ce que vous aimez le plus, comment participer. Oui, le contact humain nous manque tous. Aujourd'hui, je suis donc contente de voir Émilie et Mathieu. Mais pour nous, ce n'est pas une excuse de ne pas rentrer en contact avec nos membres ou avec vous directement à la maison. Bien qu'on se passerait de la pandémie, il y a peut-être certaines vertus qu'on a trouvées. Dorénavant, grâce à la multiplication des moyens utilisés, il sera possible de tenir plus d'événements simultanés, plus de conférences avec nos élus, plus de webinaires afin de préparer, eh oui, la prochaine campagne électorale. Mais surtout, surtout, renouveler nos membres et aussi, ben oui, par la force des choses, faire du financement. La CAQ est des plus branchées et elle sera toujours en communication continue avec vous. La programmation 2021 qui nous attend va être des plus garnies, diversifiée en contenu
Et aussi, il y aura de tout pour tous les goûts. Les derniers mois nous ont permis de pratiquer, de tester les technologies, mais surtout de former notre équipe aux événements et à l'organisation pour être fin prêt à répondre à vos demandes et surtout vos attentes. Grâce à cette expertise acquise, l'ajout de personnel, nouveaux moyens technologiques, plus jamais on va annuler des événements. On va s'adapter aux nouvelles réalités, pastilles de couleurs, changements de couleurs, mesures sanitaires. Nous aurons une gamme d'options pour tous les participants, passant du, on l'espère, 100% en présence, un moitié-moitié ou seulement en virtuel, comme aujourd'hui. Si le présentiel est possible, je veux rassurer tout le monde que les mesures sanitaires sont toujours suivies. Le parti a son propre guide de la santé publique qui l'a approuvé. Rien ne sera laissé au hasard et la permanence accompagnera tous les cales, tous les membres du caucus qui vont tenir des activités. Maintenant, 2021, c'est quoi? C'est les tables régionales. Un retour des tables régionales entre février et avril prochain sur le thème des régions. Naturellement, il y aura un congrès ou un conseil général prévu cet automne, nonobstant le virus. Surtout, il y aura plus de contenu original. La pandémie nous a fait réaliser qu'il faut créer notre propre contenu et l'ensemble de la CAQ va s'assurer de le publier sur l'ensemble de nos plateformes. Au cours des derniers mois, nous avons ajouté des éditoriaux sur notre site Web intitulés les éditions spéciales. Nous avons augmenté la production vidéo. Nous avons retransmis l'ensemble des points de presse du premier ministre et de ses ministres. De plus, on publie quotidiennement des publications bilingues sur le site Web du parti. Donc, vous voyez, on chôme pas. Il est aussi possible d'échanger avec nous sur l'ensemble de nos plateformes, comme aujourd'hui, vous êtes invité d'échanger avec nous sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. La pandémie nous a augmenté, décuplé la consommation de contenu en ligne et la CAQ veut surtout pas passer à côté de ce mouvement qui grandit de plus en plus. On veut devenir un diffuseur et un moteur de contenu pour mieux vous informer et surtout rejoindre certains groupes d'âge qui sont déconnectés des médias traditionnels. Le numérique nous permettra de mettre en valeur notre équipe, nos idées et ce, sans filtre. En terminant, j'aimerais vous remercier d'être au rendez-vous aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter d'être exigeant envers nous, car ce qu'on veut, c'est faire plus et faire mieux pour le Québec. Merci. Merci, Brigitte, pour ta présentation. Ça fait du bien de te voir en personne. Vous savez, la COVID-19 a eu des répercussions sur bien des domaines. On l'a vu un peu plus tôt au niveau de la santé avec M. Dubé. On l'a vu également au niveau des affaires du parti avec Mme Legault. Mais les Québécois ont aussi été touchés en matière d'éducation. Donc, sans plus attendre, laissons la place au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, pour son résumé. Bonjour à vous, militants, militants de la Coalition Avenir Québec. Ça fait 2 ans qu'on est là avec vous, pour les Québécois. Ça fait 2 ans que les Québécois se sont fait le cadeau d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. J'ai envie de dresser un petit bilan de nos réalisations qu'on a faites ensemble en éducation. D'abord, on avait dit qu'on aurait de belles écoles, des écoles plus lumineuses, plus grandes, avec du bleu, du bois, de l'aluminium, des écoles qui nous ressemblent. Mais avec 6,6 milliards investis en 2 ans, on est capable aussi d'agrandir les écoles existantes et de rénover nos écoles existantes. Parce que tous les élèves du Québec ont le droit d'aller dans une belle école. On avait dit qu'on éliminerait les élections scolaires. On l'a fait. On est allé plus loin que ça. Bien sûr, on économise à peu près 8 millions de dollars par année avec ce changement-là. Mais on a transformé nos commissions scolaires en centres de services scolaires. On a décentralisé la prise de décision. On a aussi livré notre engagement de déployer la maternelle 4 ans. Le premier ministre le dit souvent, on mise sur l'intervention précoce pour combattre
les problèmes d'apprentissage, les difficultés qui surviennent tout au long du parcours, il faut agir rapidement. Tous les experts le disent. Au moment où on se parle, on a plus de 1000 classes de maternelle 4 ans ouvertes et ça continue année après année. Il y avait la question de la profession enseignante, hein, valorisée vraiment pas suffisamment, je voudrais même plutôt dévalorisée année après année par les précédents gouvernements. C'était le temps de donner un coup de barre et on l'a fait. On a inscrit dans la loi sur l'instruction publique que les enseignants sont les experts de la pédagogie. On a inscrit dans la loi aussi que les enseignants sont ceux qui mettent les notes. Pas question pour quiconque d'aller modifier les résultats, de baisser les exigences, de gonfler les notes. On a eu du succès là-dedans parce que dès la première année d'un gouvernement de la CAQ, on a vu les hausses d'inscriptions dans les facultés des sciences et d'éducation. Donc, manifestement, il y a un engouement pour la profession enseignante. Par contre, il nous est arrivé quelque chose au réseau de l'éducation, comme à l'ensemble de la société. La pandémie nous est tombée dessus en mars 2020. Bien, on s'est reviré de bord, on a travaillé fort, on a consulté tous les gens sur le terrain pour arriver à la mi-juin avec un plan bien ficelé, appuyé par tous les partenaires, qui explique comment on va faire pour rouvrir nos écoles en septembre 2020. C'est un plan qui nous permet de garder nos écoles ouvertes. On a dans nos écoles, dès septembre 2020, investi plus de 100 millions de dollars d'argent neuf. En plus, on est à l'écoute du réseau. On a ajouté 85 millions de dollars de plus pour bonifier le transport, les services de nettoyage, les services de garde, les services de surveillance des élèves. On a réduit la bureaucratie, c'est important de le mentionner aussi, pour augmenter le temps d'intervention de nos professionnels, ceux qui viennent en aide à nos élèves vulnérables. Eh bien, ils ont plus d'heures cette année à consacrer aux élèves et beaucoup moins d'heures, bien sûr, consacrées à la paperasse. Ça, c'est très caquiste. Et c'est pas fini, comme dit la chanson, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu et on va continuer à faire plus et mieux, notamment en revoyant complètement le protecteur de l'élève qui, en ce moment, peine à accomplir son rôle. Donc, on va lui permettre d'intervenir de meilleure façon. On va avoir des protecteurs de l'élève qui sont régionaux, capables d'intervenir au privé comme au public. On va mettre à terme ce chantier très important de réforme en profondeur du cours d'éthique et culture religieuse. On veut lutter contre le sexisme, contre le racisme, contre toutes les formes d'exclusion, avec un cours qui va préparer les jeunes à exercer leur pleine et entière citoyenneté québécoise en connaissant bien la culture québécoise. Donc, vous le voyez, on a fait beaucoup de choses en 2 ans et on a encore beaucoup d'ambition pour les 2 prochaines années. On a beaucoup de chantiers à compléter, des choses qui sont bien commencées mais qu'on va mettre à terme. Et on ne perd jamais de vue qu'on est là pour la réussite des élèves. On veut que nos élèves aillent au bout de leurs rêves, décrochent leur diplôme et développent leur plein potentiel. Et on va continuer de le faire parce qu'on a votre appui. Merci. Si Jean-François, Émilie, il me semble que nous avons des invités de marque à notre table pour notre tour de table, justement. Oh oui, Mathieu, et c'est un panel qui risque d'être très, très prometteur. Alors maintenant, merci d'accueillir nos collègues et ce, à 2 mètres les uns des autres. Alors, on débute par Sonia Lebel. Ensuite, Pierre Dufour. Marie-Ève Proulx. Et François Bonnardel. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous. Ça se fait du bien de vous voir en vrai. Chers collègues, en quelques mots et dans vos domaines respectifs, on aimerait savoir comment les régions sont une priorité pour vous. Est-ce qu'on commence par toi, Sonia? Bien, on peut commencer par moi. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Émilie, bonjour Mathieu. Ça fait vraiment plaisir de se voir ce matin. Surtout, tu as raison, même à 2 mètres de distance en vrai. Mais écoute, c'est sûr que depuis mon arrivée au Conseil du Trésor, les régions sont une très grande priorité. On parle surtout de la régionalisation de plusieurs postes, hein, oui. De la fonction publique, 5000 postes. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus au courant de cette session, mais ça fait partie des priorités là, qu'on a au Conseil du Trésor, de faire en sorte de bien revitaliser nos régions et de mettre à contribution la fonction publique. Excellent. Merci, Sonia. Pierre, ton,
Ton point? Mathieu, hein, tu le sais très bien, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, c'est un impact majeur au niveau des régions. On le sait, au-delà de 82 % des municipalités du Québec vivent en partie grâce à la forêt, au-delà de 900 municipalités. Donc, je peux te dire une chose, que l'industrie de la forêt est très, très importante pour nous. D'ailleurs, on a justement fait des annonces pas plus tard qu'hier sur une amélioration du régime forestier. Et il y a d'autres belles annonces qui s'en viennent durant le mois de novembre. Donc, on ose espérer que les gens vont être très heureux des futures annonces qui vont être faites aussi par rapport à ce qu'on a préparé justement pour l'industrie forestière. Excellent. Des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Et maintenant, pour toi, Marie-Ève. Oui. Bonjour, Mathieu et Émilie. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Une des raisons qui m'a amenée en politique, c'est le développement des régions. Je ne pouvais plus rester à la maison. J'étais incapable de voir ce que les libéraux ont fait pour saccager les régions au cours des 15 dernières années. Il fallait que je m'implique pour renverser la vapeur. Puis la CAQ était le parti tout désigné pour qu'on renverse ensemble cette vapeur. Pour moi, c'était inconcevable qu'en éducation, on n'ait plus de services dans les régions, au niveau de la santé, beaucoup de coupures de services. Au niveau de l'économie, on n'en parle même pas. Ce qu'on a fait depuis notre arrivée au pouvoir en éducation, on a réinjecté des fonds tant dans les commissions, les centres de services, excuse-moi Jean-François, au niveau de la santé, on a ramené des services de proximité partout au Québec. On a investi aussi dans les universités. C'est important ce qu'on a fait à ce niveau-là. Au niveau économique, évidemment, notre priorité numéro un, on va en parler aujourd'hui, de l'Internet haute vitesse. On injecte aussi du soutien aux entreprises. Les entreprises avaient énormément besoin de soutien. C'est pas normal qu'en 2020, les entreprises devaient aller à Montréal chercher des services de soutien aux entreprises. Donc, notre réforme d'Investissement Québec a été majeure en ce sens dès le début de notre mandat. On a amené un Investissement Québec dans toutes les régions du Québec, un Investissement Québec national très fort pour pousser les entreprises à l'exportation. Pour nous, c'est crucial pour l'avenir de toutes les régions du Québec, la prospérité économique du Québec. On veut aller de l'avant avec ça. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être ici comme ministre déléguée au développement économique régional aujourd'hui pour parler avec vous du développement des régions, de la place que la CAQ fait aux régions, puis de toutes les actions qu'on met en œuvre pour faire en sorte que toutes les régions se démarquent puis que la prospérité économique soit partout. Merci beaucoup, Marie-Ève, des belles priorités et des engagements réalisés. Et maintenant, ton tour, François. Salut Mathieu, salut Émilie, bonjour tout le monde. Bien, il ne faut pas se le cacher, les transports, les régions sont importantes pour le ministère des Transports, mais au-delà de tout ça, la pandémie a fait très mal depuis le début de l'année. Il y a différents secteurs qu'on a dû épauler rapidement, transport collectif, transport en commun, pour ne pas nommer, exemple, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, où on a dû mettre sur pied un programme rapidement de 400 millions de $ pour supporter le transport collectif. Un autre 800 millions qui a été annoncé avec notre collègue André Laforêt aux Affaires municipales et notre ministre des Finances. On a dû aussi, de l'autre côté, être capable d'épauler le transport aérien suite à l'abandon de différentes dessertes par Air Canada. Le transport interurbain, une annonce aussi de 8 millions qu'on a fait en début de pandémie pour supporter le transport interurbain. Puis, grosso modo, bien, la voirie locale, le maintien actif, ça a été des sommes records cette année qu'on a investi un peu partout au Québec, près de 3,2 millions, milliards de $ qu'on a investi, dont 512 millions en voirie locale pour être capable de réduire le déficit de maintien actif entre le réseau supérieur du ministère des Transports et le réseau municipal. Merci beaucoup. Ça met la table pour une belle discussion. Merci à vous tous. Alors, justement, chers confrères, chers consoeurs, on va se mettre au travail. On a reçu beaucoup de questions de la part de nos membres. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, voici la première question qui est adressée à Mme Lebel. Alors, c'est M. Boucher du comté de Pontiac qui nous dit « Pourquoi ne traitez-vous pas les infirmières avec dignité? Les Québécois sont prêts à payer pour améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. » Écoutez, c'est une excellente question. Je la reformulerai, par contre, parce qu'à la CAQ, effectivement, au gouvernement, la priorité du premier ministre, ma priorité, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de travail des infirmières. Donc, on est très conscient de la surcharge. D'ailleurs, on est présentement en Mauricie, ma belle région, d'où je suis, moi, dans le comté voisin ici de Champlain, et surtout là, dans le haut, en Mikinak. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, de surcharge de travail, de fatigue. Il manque des infirmières. Donc, je pense qu'il faut,
il faut comprendre qu'on a à cœur de régler ces enjeux-là. D'ailleurs, aux tables de négociation, vous allez comprendre que je ne peux pas entrer dans les détails. Les tables sont, au moment où on se parle, en train de fonctionner, de travailler. Aux tables de négociation, la première priorité qu'on a mise sur la table avec les infirmières, c'est justement de régler la surcharge de travail. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Elles sont fatiguées, elles ont besoin de temps, elles ont besoin d'équipes qui sont consolidées, elles ont besoin d'être capables de travailler et de prendre soin de leurs patients. Et c'est une des façons aussi où on va être capable de rendre cette profession-là à nouveau attrayante pour les jeunes femmes qui veulent venir. On a besoin de rehausser aussi les postes à temps plein, mais il faut trouver les façons de faire. Donc, on est en train d'y travailler. Oui, l'argent est au rendez-vous, le premier ministre le dit. J'ai ce qu'il faut, moi, pour régler la situation de la surcharge de travail. Il y a eu quelques développements cette semaine, c'est pas moi qui le dis, c'est la FIC, la Fédération des infirmières du Québec, à l'effet qu'on avait traversé deux grands écueils, je dirais, ou deux grands points majeurs, qui étaient le rehaussement du temps complet et de s'assurer d'avoir des équipes de travail adéquates pour prendre soin de leurs patients, surtout en CHSLD. Alors, je veux vous le dire, on y travaille, oui, c'est une profession qui est digne, c'est une profession qui est essentielle. Elle est devenue encore plus essentielle pendant la pandémie. Elle a été mise de l'avant. Alors moi, je veux parler aux infirmières du Québec aujourd'hui. On est là, on est à table, c'est le cas de le dire, c'est un tour de table. On est à table avec vous pour y travailler. Vous avez pu voir qu'il y a eu des progrès, significatifs cette semaine. Vous avez accepté ma main tendue, j'ai pris la vôtre. Alors travaillons ensemble, puis on va trouver une solution, j'en suis certaine. Ah, génial. Merci pour la réponse, Sonia. Maintenant, la prochaine question, c'est pour Pierre, de Mme Rivet du comté de Bertrand, qui se demande qu'est-ce que la CAQ compte faire dans le dossier de la relève en chasse et pêche et qu'en est-il de la pérennité de la ressource? Bien, premièrement, ce qui est important de préciser, Mathieu, dans le dossier de la chasse et la pêche, une des actions qu'on avait prévues, qui était dans la campagne électorale, c'était de baisser le permis, justement, pour pouvoir aller à la pêche. Donc ça, c'est exactement une action qu'on a faite, qui a été réglée. Je pense que les gens ont énormément apprécié. Il doit certainement avoir une corrélation de cause à effet parce que cette année, on a eu une très bonne saison de pêche. En plus qu'on a eu cette pandémie-là, mais il reste une chose, c'est que les gens, on dirait, se sont réappropriés la possibilité d'aller à la pêche en famille, avec son enfant, développer cette relation-là. Donc, on est très heureux de la résultante que ça a créée cette année. Au-delà de cet élément-là, ce qui est important de préciser à madame, c'est qu'on a beaucoup de travail qui se fait avec les partenaires, que ce soit avec la Fédération des chasseurs-pêcheurs, que ce soit avec d'autres fédérations. Et tout le travail que l'on met en place, justement, c'est pour essayer d'améliorer. Ce qui est arrivé, exemple, avec les deux jours qu'on vient de passer, le 31 octobre, 1er novembre, qui était pour la relève, exemple, de la chasse, où ce que les gens pouvaient amener des jeunes à développer leur capacité à aller à la chasse comme mentors. Donc, ces gens-là ne participaient pas à la chasse, mais ils donnaient un coup de main pour donner les bonnes bases pour bien adapter la situation quand on fait une chasse de façon propre et intelligente. Donc, ça en est des actions précises que l'on met en place. Et naturellement, l'autre élément qu'on travaille énormément, puis on l'a vu grâce un peu, on dirait, à la pandémie, c'est l'enregistrement des bêtes par Internet. Donc, lorsqu'on fait une chasse, on a vu avec le dindon sauvage, avec l'ours, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on améliore le système. Et la prochaine étape pour nous, c'est de vendre les permis par le biais du numérique, un peu comme il se fait dans certains États américains. Donc, je pense que ça va très, très bien de ce côté-là. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Maintenant, une question de M. Bélanger du comté de Taschereau. La question est pour Marie-Ève Proulx. Alors, il nous demande, y aurait-il moyen que les projets de relance soient majoritairement des projets de relance industrielle orientés vers les PME? Merci pour cette question. D'abord, je tiens à spécifier qu'on va parler dans cette réponse davantage de la relance dans son sens large. Avant la pandémie, mon collègue Pierre Fitzgibbon et moi, on avait un plan ambitieux pour l'économie du Québec où on misait beaucoup sur la croissance des entreprises, l'exportation, puis augmenter de manière importante la prospérité économique de chacune des régions. À preuve, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure dans l'introduction, là, toute la réforme d'Investissement Québec se voulait de mettre la table pour la suite des choses. On veut accompagner plus de 3 à 4 000 entreprises par année au minimum pour les faire exploser au firmament des affaires. La pandémie est arrivée, l'économie a subi et subit toujours les contre-coups de cette crise sanitaire actuellement. On a été agile, on a décidé de prendre notre plan de développement économique et le transformer en plan de relance, puisque peut-être qu'on était visionnaire, mais les éléments qui se trouvaient dans notre plan de développement, ça s'appliquait extrêmement bien à un contexte de relance économique que nous apprêtons à vivre. Je vous donne ici les 4 grands secteurs, les 4 grands objectifs qu'on a pour ce plan.
Je pense à l'appui au secteur stratégique. On a le secteur de l'aérospatial, on a l'aérospatial, les sciences de la vie, l'électrification des transports. Je suis convaincue que mon collègue va en parler tantôt. La question des ressources naturelles. Notre collègue Jonathan Julien a d'ailleurs lancé la semaine dernière son plan des minéraux stratégiques et critiques. On veut aller de l'avant, on veut mettre en priorité tout ça. On a des forces au Québec. On va les découvrir ensemble, on va en être fiers, on va les mettre de l'avant en mode proactif. Le deuxième champ prioritaire est l'innovation. On veut soutenir la recherche, on veut pousser davantage la commercialisation des innovations. On veut également soutenir des environnements propices via les zones d'innovation. Finalement, en troisième lieu, on a l'automatisation, numérisation. J'en parlerai brièvement tout à l'heure dans une autre question. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est miser sur l'automatisation. Je vais y arriver. Numérisation. Finalement, un secteur qui me tient à cœur, vous l'avez compris tout à l'heure, le développement économique régional. La semaine prochaine, restez en ligne, restez à l'écoute. On aura une très belle annonce à faire pour les régions, pour l'investissement en région, pour bien soutenir les entreprises partout où elles se trouvent. Ensuite, on a travaillé aussi à impliquer les acteurs de toutes les régions du Québec dans un processus de relance économique aussi au niveau régional. Donc, il y a des projets qui ont émergé de ça. Évidemment, mes collègues vont parler tout à l'heure, j'imagine, aussi du projet de loi 66 où on veut miser sur les infrastructures en région. On veut que le Québec soit habité. On veut propulser les régions du Québec. Donc, on travaille en ce sens avec un plan de relance clair, concis et proactif. Merci beaucoup, Marie-Ève. Maintenant, une autre question de M. Vallée du comté de Matane-Matiapédia qui s'adresse à François au sujet des permis pour les véhicules hors route. Est-ce qu'il va falloir passer des nouveaux permis de conduire? Si oui, qu'est-ce qui va arriver au tourisme? Bonjour, M. Vallée. Non, on a déposé le projet de loi sur les véhicules hors route voilà quelques jours déjà. On va commencer les consultations mardi prochain. C'est un projet de loi que je souhaite qu'il soit adopté d'ici la fin de la session. Maintenant, c'est important pour moi d'améliorer le bilan routier aussi dans les sentiers. Depuis les 10 dernières années, on a eu à peu près 60 décès donc par année, plus de 600 sur une période de 10 ans. On a eu beaucoup aussi de décès qui sont liés à l'alcool. Et dans ces circonstances, pour moi, d'améliorer le bilan, c'était de demander premièrement un permis de conduire obligatoire pour conduire un VHR en sentier, que ce soit une motoneige ou que ce soit un VTT. Et dans les circonstances, les gens ont peut-être imaginé que ça prenait un permis de conduire spécial, mais ce n'est pas le cas. Donc, on demande un permis de conduire en bonne et due forme. Si vous avez 16 et 17 ans, vous avez un permis, exemple, de cyclomoteur, vous aurez besoin d'une formation supplémentaire qui sera donnée par la Fédération des VTT du Québec ou des motoneiges. Donc, ce n'est pas un permis spécial qui sera spécifique à la conduite des VTT, mais un permis de conduire en bonne et due forme avec une formation pour les 16-17 ans seulement. Il faut aussi bien expliquer que les gens qui, exemple, ont des petits VTT ou des motoneiges pour des jeunes enfants, on va pouvoir conduire son VTT ou sa motoneige si on est un enfant de moins de 16 ans, mais sous supervision des parents. Donc, pour moi, c'est important aussi de clarifier cette situation parce qu'il y a eu des petits imbroglios qui ont été peut-être nommés par certains journalistes ou certaines personnes. Merci beaucoup, François. Maintenant, une question qui nous vient de M. Blouin, du comté de Rousseau, et qui s'adresse à Sonia. T'en as dressé un peu le portrait au début, mais je pense qu'on va pouvoir en parler davantage. La CAQ a pris l'engagement de régionaliser 5 000 postes de l'administration publique. Où en sommes-nous avec ce projet? Merci, Mathieu. Merci pour cette question. Effectivement, je l'ai abordé un petit peu tantôt dans mes premiers commentaires. La régionalisation de 5 000 postes, ça fait partie du plan aussi pour valoriser les régions qu'on a. Puis c'est de la façon dont le Conseil du Trésor aussi peut s'impliquer pour notre fonction publique. Alors, effectivement, c'est un engagement qu'on a pris sur 10 ans, il faut le rappeler. On avait bien commencé à faire cette transformation-là avant la pandémie. On a déjà quelques 300 postes qui ont été régionalisés. Donc, on va le faire de plusieurs façons. Naturellement, il y a des gens qui partent à la retraite dans les grands centres comme Montréal et Québec. Alors, on va pouvoir prendre ces postes-là et les amener en région. Par contre, la pandémie a beaucoup d'effets néfastes, mais nous a permis d'explorer de nouvelles opportunités, qui est le télétravail, Mathieu. Donc, ce qui est très important, c'est que pour la régionalisation des postes, ce télétravail-là va beaucoup nous aider. Je parle ici dans la région de Trois-Rivières, à titre d'exemple, ou dans mon comté, dans Mauricie, le comté de Champlain. Il y avait, avant la pandémie, la difficulté de régionaliser, de
trouver des endroits aussi où installer ces gens-là. Tu sais, traditionnellement, un poste gouvernemental se fait dans un immeuble à bureau avec le logo du gouvernement du Québec, le drapeau du Québec. On doit rentrer au travail. C'est peut-être plus complexe à ce moment-là dans certaines régions de pouvoir s'installer de cette façon-là. Avec la pandémie, avec le télétravail qu'on veut valoriser d'ailleurs pour la fonction publique, on vient d'ouvrir un monde de possibilités pour aider nos régions et implanter de nouveaux postes. Il faut comprendre qu'un poste, des postes de la fonction publique, c'est important. Ce sont des postes stables, ce sont généralement des emplois bien payés, donc ils vont permettre d'avoir des retombées économiques dans ces régions-là. Alors, on est bien en marche dans ce plan-là et on continue. Et comme je le disais tantôt, le télétravail et ces nouvelles options-là ont ouvert un monde de possibilités pour pouvoir nous permettre d'accomplir cet objectif-là, Mathieu. Merci beaucoup, Sonia, pour tes réponses. Je pense que ça éclaire beaucoup de gens sur le télétravail et les intentions qu'on a quant à la régionalisation de notre fonction publique. Alors, prochaine question pour Pierre Dufour. Alors, ça provient de M. Richard du comté de Papineau. J'aimerais connaître la vraie raison pour laquelle aucun effort n'est fait pour régler le conflit dans le parc de la Vérendrye ou orienter une avenue qui réglerait une fois pour toutes cette problématique. J'ai un fils qui n'a pas été capable d'aller fermer son chalet pour l'hiver à cause du blocus. J'aimerais connaître vos intentions et suggestions quant au règlement de ce problème. Merci à l'avance pour votre implication et bravo à la CAQ pour tous ces efforts qui sont très appréciés. Bien, Émilie, merci de cette question-là. Veux pas, ça a été un dossier très chaud, comme on le sait, cette année. Et puis, c'est un dossier qui est en marche depuis quelques années. Premièrement, je pense que c'est important de préciser à monsieur que dès 2019, on a fait des promesses. Suite à l'espace de 48 heures, on a fait une rencontre avec les différentes communautés pour discuter de la situation et on s'est engagé à faire un inventaire aérien. Inventaire aérien dans lequel participaient les communautés. 5 des 7 communautés ont participé. Ce qui est triste un peu dans ce dossier-là, c'est que la communauté de Lac-Barrière n'a pas participé. Par contre, d'autres communautés comme Kitsganzibi, Lac-Simon, Kitsakik y ont participé. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'inventaire aérien permettait de voir une situation qui n'était pas connue, finalement, depuis 1994. Parce que j'ai vu dans quelques endroits, quelques articles qu'on parlait de 2008, mais c'est vraiment depuis 1994 qu'il n'y avait pas eu un inventaire aérien complet sur la situation de la forêt au niveau de la réserve faunique, la Vérendrye. On s'est aperçu que oui, qu'il y a eu une baisse du cheptel. Par contre, scientifiquement, les gens au ministère me disent qu'il n'y a pas de problématique à court, moyen terme, mais il faut naturellement faire attention au cheptel de Rigno qui est sur place. Donc, ça a fait en sorte qu'au mois de septembre, on a rencontré premièrement les dirigeants de ces communautés-là pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'il y a des actions quand même qu'on a posées. On a délimité déjà un territoire autour du lac Barrière pour pas qu'il n'y ait de chasse sportive à cet endroit-là. D'autres éléments qu'on a fait, par exemple, on a baissé le nombre de permis octroyés par la CEPAC. On est même prêt encore à diminuer encore s'il le faut, mais naturellement, lorsqu'on a une négociation, il faut que des deux côtés, il faut en discuter, il faut prendre le temps d'en parler. C'est pas pour rien que mon collègue Yann Lafrenière, maintenant, est impliqué aussi en tant que ministre des Affaires autochtones, est impliqué dans la dynamique de négociation. Et je pense qu'on s'enligne vers quelque chose qui va finalement aboutir positivement. Mais il faut se parler, il faut discuter et il faut chacun faire sa part dans le défi de maintenir un cheptel en santé dans la réserve faunique de la Vérendrye et éviter qu'on se retrouve encore l'année prochaine avec les mêmes situations qu'on a vécues, parce que c'est pas positif pour personne. Soyons bien honnêtes, que tu sois du côté allochtone, que tu sois du côté autochtone, je pense que personne qui veut ça. On a des belles communautés qu'on peut développer des relations de partenariat et c'est ce qu'on cherche à travers dans ce dossier-là. Merci. On est ouvert à la négociation. Il n'y a pas de trouble avec ça. Merci beaucoup, Pierre. C'est très éclairant. Maintenant, nous avons une question de M. Caron du comté de Sanguinet pour Marie-Ève. Et donc, au bénéfice de tous les membres ayant posé la question, pouvez-vous nous brosser un portrait des actions posées par le gouvernement dans le fameux dossier de l'implantation de l'Internet haute vitesse sur tout le territoire québécois d'ici 2022, depuis son arrivée au pouvoir et de l'état d'avancement des projets de branchement? D'abord, Mathieu, si tu me permets, je vais saluer les gens de Saint-Édouige, Saint-Prosper, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Esprit, du Témiscouata qui nous posent régulièrement des questions, tant dans nos membres que dans la société en général. On a énormément de questions. Puis je vais faire le point avec grand plaisir aujourd'hui.
D'abord, il faut dire que quand l'ancien parti au pouvoir, les libéraux, avaient fait beaucoup d'annonces, mais posé peu de gestes lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, on avait mis comme engagement 240 000 foyers branchés d'ici 2022. On a eu la surprise en rentrant dans les dossiers de constater qu'il y avait 100 000 dossiers qui n'avaient pas été réalisés. Mais nous avons été extrêmement proactifs depuis notre arrivée en poste. Je vous énumère les actions qu'on a posées, les gestes qu'on a posés qui nous font croire qu'on va atteindre notre objectif. D'abord, on a réservé 400 millions de dollars pour réaliser des projets de branchement Internet partout au Québec. On a réglé les 100 000 dossiers qui étaient restés en plan dans les dossiers du ministère de l'Économie. On a évalué les différentes opportunités pour accélérer les branchements. On pense aux poteaux, on pense aux différentes technologies, tout ça est fait. On a aussi mis en place un comité d'action composé des compagnies de télécommunications, des fédérations municipales et du gouvernement pour trouver les meilleures pistes de solutions pour accélérer ce branchement. On a fait, au printemps dernier également, un appel de projet où 66 projets ont été retenus dans 11 régions pour brancher plus de 60 000 foyers. C'est pas rien pour un investissement de 150 millions de dollars. C'est important de dire que tous les projets qui avaient déposé, toutes les personnes ou tous les groupes qui avaient demandé des fonds dans cet appel de projet, il reste plusieurs options. Il reste d'abord l'option du CRTC, il reste d'autres appels de projet et évidemment l'apport qu'on attend aussi du fédéral. Sachez qu'il y aura très prochainement, là, nous aurons des nouvelles là, très, très, très bientôt à ce sujet. Donc, le dossier est très actif. Nous sommes le gouvernement le plus pressé, le plus ambitieux, le plus enthousiaste à réaliser ce projet depuis longtemps. C'est un projet qui traîne déjà depuis 15 ans. Le premier ministre lui-même en a fait son cheval de bataille. Il a même mentionné qu'il était prêt à aller lui-même dérouler de la fibre optique s'il y a lieu. C'est pas peu dire. Il nous reste encore 2 ans, puis je tiens à le dire. C'était pas pour 2020 notre engagement, c'était pour 2022. Puis on a la ferme conviction qu'on va y arriver, qu'en 2022, on va pouvoir démontrer qu'on va arriver à brancher tous les foyers au Québec. Croyez-nous, on va y arriver. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ta réponse. Je pense que c'est clair, notre dévouement envers Internet haute vitesse en région. Maintenant, prochaine question qui s'adresse à François Bonnardel. Ça vient de M. Girard du comté de Montarville. Pourquoi consacrez-vous un budget pour de nouvelles routes, de nouveaux liens, plutôt que d'investir en priorité sur toutes nos routes existantes qui, selon moi, sont en décrépitude, en piteux état, dangereuses pour certaines routes et à risque à certains endroits? C'est une bonne question. Quand je suis arrivé, pour moi, c'était important de réduire le déficit de maintien d'actifs, mais de trouver un équilibre entre des investissements importants pour les routes, puis notre réseau supérieur et le réseau municipal, et de nouvelles routes qui pourraient être construites. Et dans ces circonstances, on a investi encore une fois cette année une somme record de 3,2 milliards de dollars, dont 512 millions juste en voirie locale. Pourquoi en voirie locale? Parce que pour moi, c'était un peu l'enfant oublié des dernières années. C'est beau de réduire le déficit de maintien d'actifs sur le réseau supérieur, mais quand on oublie le réseau municipal ou les différentes régions du Québec, c'est important pour moi de donner un signal clair, un signal fort en termes d'investissement pour que les plus petites municipalités, les plus petits villages soient capables d'avoir des sommes considérables pour réduire le déficit, rénover et réparer leurs routes qui sont en décrépitude et dans ces circonstances. C'est cet équilibre que je souhaitais trouver. C'est plus de 2000 chantiers qui ont été en opération cet été un peu partout sur le territoire québécois. On va continuer d'investir parce que ce déficit est encore important. On donne une note de A à E sur notre réseau supérieur au Québec. On appelle ça notre indice d'état gouvernemental. Et encore une fois, il y a eu des sous-investissements dans les dernières années. On ne pourra pas tout réparer sur une période de 4 ans, mais je pense que les gens peuvent déjà mesurer et voir que les investissements importants sur tout le territoire québécois. Merci, François, pour ces réponses. Maintenant, prochaine question s'adresse à Sonia Lebel. Monsieur Hébert du comté de Brome, Missisquoi, nous demande... Que pouvez-vous faire pour améliorer l'efficacité de la gestion du gouvernement? Bien, c'est une excellente question, Émilie, parce qu'effectivement, on oublie peut-être souvent, puis il ne faut pas l'oublier, que le gouvernement, la fonction publique est là au service des citoyens. Alors, c'est un des engagements de la CAQ aussi. On y travaille malgré le contexte pandémique où il faut travailler sur d'autres solutions présentement, d'autres priorités, qui est la santé et la sécurité de nos citoyens. Il faut pas perdre de vue nos objectifs de rendre la fonction publique plus efficace, imputable d'ailleurs et plus transparente, et ça, j'y tiens beaucoup.
Alors, dès notre arrivée en poste, mon prédécesseur, Christian Dubé, avait déjà commencé ce mouvement-là. Je le poursuis avec beaucoup d'enthousiasme. C'est de façon de voir en sorte... Bon, il y a plusieurs aspects. Hein. C'est une... Je ne vous cacherai pas que c'est une grosse machine, la fonction publique, et pour améliorer son efficacité, il faut travailler sur plusieurs enjeux à l'intérieur même des ministères, mais de façon beaucoup plus globale. Donc, on a d'ailleurs déposé un projet de loi pour améliorer la dotation de postes. Qu'est-ce que ça veut dire, la dotation de postes? C'est les embauches, tout simplement les embauches. Présentement, le gouvernement fonctionne selon une certaine banque de données où on fait des méga concours dans des grandes... Bon, plus maintenant, vous le comprendrez à cause de la pandémie, là, mais dans des grandes salles où on accueille des gens. C'est très important, mais c'est plus difficile à ce moment-là d'intéresser les gens à la fonction publique et de trouver la bonne personne pour le bon emploi. Donc, il y a un projet de loi. Oui, ça prend un projet de loi, malheureusement. Souvent, au gouvernement, les choses sont enchâssées dans des règlements, des règles, des directives. C'est correct, c'est normal, mais il faut les changer quand elles ne sont plus adéquates. Alors, il y a un projet de loi pour nous permettre, justement, de faire un meilleur recrutement. Le télétravail est une autre façon. On l'a vu, il y avait déjà un projet pilote avant la pandémie. Maintenant, il s'est avéré que c'est très efficace. La pandémie nous a permis d'avoir un méga laboratoire. Et vous savez, l'efficacité, d'ailleurs, je veux prendre le temps de féliciter tous les fonctionnaires de la fonction publique qui ont vraiment, se sont virés sur un dissous, si on peut, puis qui ont continué à gérer cet état-là, à nous donner des services pendant la pandémie, encore au début dans la première vague, encore maintenant, avec une efficacité extraordinaire. La productivité n'a pas diminué, elle a même augmenté alors que les gens étaient à la maison. Puis je pense qu'il faut le noter, puis c'est notable. Il y a aussi, ça a l'air drôle à dire, hein, mais les ministères ont ce qu'on appelle des plans stratégiques. Bien, c'est beau d'avoir, je vais prendre l'exemple de la justice parce que je le connais bien, c'est beau d'avoir un plan stratégique où on dit qu'on veut améliorer le système de justice. Bon, c'est ça, c'est un objectif louable, mais comment est-ce qu'on le fait? Alors, on a mis en place des plans stratégiques pour tous les ministères avec des objectifs mesurables. À titre d'exemple, baisser les délais d'attente devant les tribunaux, augmenter les services aux citoyens en justice. Les centres de services ont fait partie de ça. Vous avez vu le nouveau poste juridique, d'ailleurs, pour vous permettre d'identifier vos droits. Comme présidente du Conseil du Trésor, moi, je continue dans cette optique-là pour tous les ministères. Donc, c'est important parce que les services doivent être mesurables et pour vous. Les programmes, le gouvernement donne de l'argent à différents organismes, à différents secteurs, aux différents ministères et au Conseil du Trésor, c'est nous qui devons gérer ces budgets-là dans des programmes qu'on appelle. Mais vous savez, il faut faire le ménage de ces programmes-là. Il y a de l'argent qui est fixé dans ces programmes-là, il y a de l'argent qui dort dans ces programmes-là et souvent, ils ne rencontrent plus nécessairement les besoins exacts des citoyens sur le terrain. Alors, faire le ménage de ces programmes-là, un mot d'ordre a été donné à tous nos ministères et les sommes qui vont être récupérées ne seront pas mis dans les coffres de l'État. Non, c'est pour les réinvestir en service aux citoyens. Donc, ce qu'on veut faire, en résumé, Émilie, c'est de faire en sorte que chaque dollar qui est investi par le gouvernement, bien, la grande majorité de cet argent-là retombe sur le terrain en service aux citoyens. Je pourrais en parler encore pendant longtemps parce qu'améliorer l'efficacité de l'État, c'est un objectif qui est important et qui est et vous allez voir la différence sur le terrain, mais on y travaille très fort, Émilie. Merci, Sonia. Quel, effectivement, objectif louable. Maintenant, nous avons M. Roy du comté de Côte-du-Sud pour une question pour Pierre, hein, oui, du comté de Marie-Ève. M. Dufour, lors de l'énoncé de votre vision en septembre 2019, vous avez mentionné qu'il fallait couper plus de bois pour séquestrer plus de gaz à effet de serre. Êtes-vous certain de cette affirmation qui a été décriée? Et premièrement, précisons les choses. Quand tu fais une annonce comme ça, puis il faut comprendre que tu présentes un élément, souvent, médiatiquement, on va des fois retenir qu'une parcelle. Ce qui est important de bien comprendre dans cette dynamique-là, l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui veut dire par là, c'est que lorsque on coupe du bois, et il faut savoir à quel moment le couper pour que le bois soit dans sa qualité maximum pour avoir les meilleures retombées économiques de notre forêt publique, il faut aussi, parallèlement à ça, faire de l'ensemencement, ou si on aime mieux, de la plantation, ou si on aime mieux, de la sylviculture, qui est le vrai terme. Donc, sylviculture veut dire plantation d'arbres. Donc, c'est ce qu'on fait au Québec. Et ça, c'est important de le préciser. L'un et l'autre doivent aller de pair. Donc, d'un côté, oui, on fait de la coupe de bois lorsqu'elle a une valeur, lorsqu'elle a une qualité de forêt à couper pour justement avoir une grande situation de capacité de capture du gaz à effet de serre, etc. Mais de l'autre côté, il faut faire cette plantation-là ordonnée et de qualité. Ce qui est important de comprendre, par contre, au Québec, c'est qu'on a une forêt de qualité dans le sens qu'on a
une forêt où on fait de la sylviculture, mais on a aussi une forêt qui a des sols assez protéinés pour être capable de se régénérer. Et ça, c'est très rare parce que souvent, on va avoir le modèle, exemple des pays scandinaves qu'on nous dit c'est le modèle à suivre. C'est un modèle intéressant qui est en sylviculture, mais une forêt d'origine, une forêt toujours naturelle qui repousse par elle-même, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a aujourd'hui dans les pays scandinaves. Par contre, ici au Québec, on a cette santé-là au niveau de notre forêt. Et je pense que c'est important de préciser que 90 % de notre forêt, elle est certifiée. Bien, merci beaucoup, Pierre. Prochaine question pour Marie-Ève Proulx. Alors, ça provient de Mme Tremblay du comté de Borduas, qui nous demande quelles sont les stratégies de développement du gouvernement pour les entreprises accusant un retard dans l'implantation et ou l'utilisation de la technologie numérique, en tenant compte que certaines régions éprouvent encore de la difficulté de connexion avec Internet. Merci, Émilie. Si vous me permettez, je reviendrai même sur la dernière question, puis il y a un lien avec celle-là. Je tiens à dire qu'on travaille ce dossier de branchement des régions en équipe. On travaille tous les ministres ensemble, même les députés. D'ailleurs, une mention spéciale à Gilles Bélanger qui tient ce dossier à bout de bras. C'est important le travail qu'il fait, puis on va réussir en équipe à atteindre ce dossier. Ceci étant, au Québec, comme ailleurs dans le monde, bon, 2020 va certainement passer à l'histoire. Pour peut-être des mauvaises raisons, mais aussi peut-être pour différentes opportunités que nous amènent les crises, dont celles que nous vivons actuellement. Je pense entre autres à tout l'intérêt pour l'autosuffisance alimentaire, l'intérêt du fabriquer au Québec. On l'avait déjà avant, mais là, on va le mettre en application maintenant. Il y a plein d'actions qui s'en viennent dans ce sens. C'est majeur. L'importance aussi d'une main-d'œuvre qualifiée et agile, ça nous démontre à quel point c'est nécessaire dans ces contextes particuliers. La présence aussi, on voit que les gens ne peuvent plus voyager à l'étranger, donc tout l'intérêt des produits d'appel touristiques dans toutes les régions du Québec pour favoriser cette beauté qu'on a dans toutes les régions. Ma collègue Caroline Proulx travaille d'ailleurs en ce sens. Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont importantes actuellement, puis on voit pas encore toutes les opportunités qui s'offrent à nous, mais moi, il y en a une qu'on avait avant, puis qui devient encore plus importante et cruciale, toute la question de l'automatisation et de la numérisation dans les entreprises. Le Québec accuse un retard important face à d'autres pays dans le monde, ce qui peut faire en sorte que des fois, on est moins performant en ce sens. Je pense aussi aux régions où il y a une iniquité entre les régions. Je pense à la Gaspésie, qui est bonne dernière, malheureusement, en termes d'automatisation pour les entreprises. Il nous faut au Québec prendre ce virage, que les entreprises prennent ce virage. Je crois que la crise va nous amener là. Nous, on va mettre les moyens. On a déjà notre plan pour le faire, pour que les entreprises prennent ce virage d'automatisation et de numérisation dans tous les services, tous les secteurs d'activité, qu'on pense à l'industriel, à la restauration, au commercial. Faut implanter l'intelligence artificielle. On connaît bien l'intelligence artificielle en théorie, mais il faut la mettre en pratique. Puis on peut être un terreau fertile au Québec pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. La crise est une opportunité de se repositionner, puis ça va permettre aux entreprises et aux régions de le faire via l'automatisation et la numérisation. Je suis fondamentalement convaincue que cette approche va permettre aussi de travailler sur la pénurie de main-d'œuvre que connaissent toutes les régions, plusieurs entreprises. C'est majeur ce qu'on vit à ce niveau-là actuellement. Si on automatise et on numérise, ça aura un impact sur la disponibilité de main-d'œuvre pour des secteurs qui peuvent moins le faire. Puis ça sera complémentaire aussi à toute l'approche de mon collègue Jean Boulay en matière d'emploi. Il faut s'assurer que les gens soient bien formés, puis qu'ils soient agiles sur le marché du travail. En somme, on met en place un plan clair de relance économique qui va mettre au cœur de celui-ci l'automatisation, la numérisation, suivi la mise à jour économique de mon collègue Éric Girard. Vous aurez davantage de détails là-dessus le 12 novembre. Merci beaucoup, Marie-Ève. Maintenant, nous avons une question de M. Gosselin du comté de Champlain, le comté de Sonia Lebel, mais qui s'adresse à François. Dans plusieurs municipalités de la région de Champlain, certaines unités font ralentir les autos aux entrées des villages, ce qui semble faire prendre conscience aux automobilistes de leur vitesse. Serait-il opportun de déployer cet outil dans les autres municipalités du Québec? Bien, certainement. Pour moi, assurer la sécurité du réseau par des radars pédagogiques ou toute autre forme de choses qu'on pourrait mettre en place avec le ministère, c'est quelque chose d'important. Ce qui est important surtout aussi, s'il y a des élus qui nous écoutent, c'est d'être capable d'avoir une relation client avec les différentes directions territoriales qui est bonne. Quand je dis ça, c'est d'être capable de répondre rapidement
que ce soit pour une traverse piétonnière, que ce soit pour, encore une fois, réduire la vitesse à l'entrée d'un village ou d'une ville, que ce soit pour un radar pédagogique ou d'autres choses qui pourraient sécuriser différents secteurs des municipalités ou des villages un peu partout au Québec, pour moi, c'est important d'y répondre rapidement. Les directions territoriales ont été aussi avisées de s'assurer de répondre rapidement aux différentes demandes des municipalités partout au Québec et de s'assurer, encore une fois, qu'on puisse assurer la sécurité du réseau, que ce soit des piétons, que ce soit des cyclistes, le transport actif et autres. Donc, pour moi, c'est une mesure importante pour le futur. Excellent. Merci, François. Et maintenant, nous avons Mme Gauthier du comté d'Abitibi-Ouest qui aimerait poser une question à Sonia. Et elle se demande d'où provient l'argent que le fédéral donne à la population des 10 provinces et surtout du Québec. D'où provient l'argent? Bien, provient de nous, hein? Le fédéral. Oui, exactement. Mais écoutez, on paie des impôts, on paie des taxes au fédéral, alors cet argent-là provient de nous. Effectivement, on a droit à cet argent-là dans certains secteurs, dans plusieurs secteurs. Vous l'avez sûrement suivi présentement, la demande des 10 premiers ministres, même plus, on inclut les territoires également, donc les 13 du Canada qui demandent à ce que le fédéral investisse beaucoup plus en santé, en matière de santé. C'est important. On doit comprendre que la part du fédéral, et là, je vais vous lancer des chiffres, mais c'est facile à comprendre. Il y a quelques années, je vous dirais 10-15 ans, au début, le fédéral donnait près de 50% de l'argent pour les frais de santé de nos citoyens. Et maintenant, la part du fédéral est de 22% et les frais en santé augmentent à chaque année. La population du Québec, elle est vieillissante, on a besoin de soins. Et là, j'exclus les effets de la pandémie. Donc, vous comprenez que cet argent-là vient de nous, effectivement, également, c'est notre argent. Il faut y faire attention, mais on y a droit, puis on va s'assurer d'aller chercher tout ce qu'on a besoin d'aller chercher et tout ce qui nous est dû pour pouvoir mettre de l'avant les services aux citoyens. Merci beaucoup, Sonia, pour ta réponse. Maintenant, la prochaine question nous vient de M. Harvey du comté de Pontiac et elle s'adresse à Pierre Dufour. Un projet de cogénération et d'usine de siège Industrie Syrie Davidson à Mansfield et Pontefract semble se buter à des considérations forestières qui empêchent que le projet se concrétise. Notre forêt de pin blanc est disponible dans le Pontiac et le bois à pâte nécessaire à la cogénération est abondant. Quel est le problème et comment on peut avancer vers l'avenir dans ce projet? Okay. Bien, Émilie, je pense que c'est important de préciser que c'est un projet exactement qu'on a sur la table présentement au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, mais aussi au ministère de mon collègue Pierre Fitzgibbon. C'est un dossier où il y a deux volets. C'est un volet de cogénération et c'est un volet de scierie. Pour ce qui est de la question du bois, qui semble être la préoccupation de monsieur, il faut bien comprendre que le bois, il a une possibilité de disponibilité pour ce projet-là. Par contre, il faut bien comprendre qu'avant d'intervenir officiellement, parce qu'on nous demande aussi des fonds publics pour développer tout ça, il faut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la cogénération et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la scierie. Donc, c'est un dossier où il y a deux volets. Et c'est important de le préciser parce que on se fait demander une aide financière, entre autres, pour la scierie. Il faut l'évaluer. Avant de commencer à mettre des millions dans une entreprise qui veut développer, il faut s'assurer que ça va être un bon investissement et qu'on ne sera pas avec comme on appelle souvent, un canard boiteux si on parle le projet. Donc, le bois, il est là. Le projet, il est analysé présentement. C'est un fait que des fois, les gens vont trouver que c'est long parce que ça fait quand même près de 2 ans, mais même plus, là, je dirais, qu'il est dans l'appareil parce que c'est un projet qui a été débuté sous l'ère libérale, qui a été transporté dans nos mains. On est en discussion, les ministères ensemble, que ce soit M. Fitzgibbon, que ce soit moi-même, nos chefs de cabinet. On est conscient de ce dossier-là. J'en ai d'ailleurs parlé avec le député de l'endroit, M. Fortin. Je peux vous dire une chose, c'est un dossier qui avance, mais il faut le faire de façon précise et s'assurer qu'on va se retrouver avec un projet qui a une valeur vraiment ajoutée et non simplement créer un projet pour créer un projet. Donc, c'est là qu'on en est présentement dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, une question de M. Lapointe du comté de Saint-Jean pour Marie-Ève qui nous demande, dans cette période où notre gouvernement encourage l'achat local pour faire rouler l'économie, est-ce envisageable de penser qu'une politique gouvernementale guiderait les acheteurs gouvernementaux pour encourager les achats de produits locaux en utilisant un système de pointage selon le pourcentage de contenu canadien et québécois? Quelle excellente question. C'est une question qui est vraiment d'actualité dans un contexte de pandémie comme on l'a vécu. Ça a suscité un intérêt majeur, la situation de la crise sanitaire,
pour tout ce qui est produits locaux. Les Québécois ont eu un véritable engouement pour connaître ce qui se faisait autour de chez eux, pour découvrir ce qui se fait au Québec dans tous les secteurs, qu'on pense à l'agroalimentaire, à l'industriel, à l'art proprement dit. C'est vraiment fascinant ce qu'on vit actuellement. C'est une excellente nouvelle. Puis ça me rend fière d'être Québécoise quand je vois notre attitude de citoyen du Québec. Plus particulièrement, je pense aussi que tout ce qui est question d'achat local doit être amené à l'espace gouvernemental, puis là est l'objet de la question de M. Lapointe. D'abord, on veut réglementer justement pour amener cette question d'imposer des possibilités. On avait comme engagement électoral de mettre un 25 % minimum de contenu québécois dans nos appels d'offres internationales. Nous allons toujours de l'avant avec ça. C'est important pour nous, c'est préoccupant. C'est un des fondements de notre parti politique. Ma collègue André Laforêt, dans le PL 67, incitera les municipalités à favoriser l'achat local et avoir du contenu québécois dans les appels d'offres municipaux. L'autre côté, on a mis en place aussi mon collègue Pierre Fitzgibbon avec le panier bleu pour mieux comprendre, structurer toute la commercialisation puis le commerce en ligne aussi pour que l'achat Québec soit encore plus mis de l'avant. Puis évidemment, avec ma collègue au Trésor, Sonia Lebel, on va travailler à s'assurer qu'au gouvernement, on puisse favoriser les compagnies québécoises de notre côté. Au MEI, on est en train de travailler sur une stratégie aussi pour faire le pont entre les entreprises québécoises et les contrats publics, parce que c'est aussi là que ça se passe. C'est pas seulement que de répondre aux appels d'offres, mais il faut faire le maillage entre les entreprises et les appels d'offres du gouvernement. Donc, nous allons de l'avant avec ça, nous y croyons. Ça nous rend fiers de voir l'attitude des Québécois dans l'achat local, puis le gouvernement va faire sa part. Merci beaucoup, Marie-Ève. Dernière question s'adresse à François. C'est de la part de M. Gélina du comté de Saint-Guinet qui nous demande, y a-t-il un projet afin de revoir les limites de vitesse sur les autoroutes afin qu'elles soient plus adaptées aux dangers de la route plutôt qu'à un niveau fixe? Bonjour, M. Gosselin. Oui, il y a peut-être certains qui voudraient voir la limite de vitesse augmenter au Québec, mais ce n'est pas dans nos cartons d'augmenter la vitesse partout sur le territoire. On a même baissé la vitesse pour les motoneiges de 90 à 70 avec notre projet de loi à 50 km du côté des VTT. Mais non, sérieusement, je pense que la vitesse que nous avons sur le territoire est adaptée. Maintenant, comme je le mentionnais tantôt, si certaines municipalités considèrent qu'on devrait baisser la vitesse dans certains secteurs pour améliorer la sécurité, le ministère est toujours là pour étudier ces différentes demandes un peu partout sur le territoire québécois. Mais dans les circonstances présentement, il n'y a pas de plan de match pour réduire la vitesse. On va travailler aussi avec les nouvelles routes qu'on va mettre en place, avec les voies réservées un peu partout sur le territoire, une gestion dynamique des voies pour être capable d'améliorer la fluidité et la sécurité de notre réseau. Donc, c'est pas mal plus là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines années. Merci beaucoup, François. Et maintenant, puisqu'on a cette chance extraordinaire d'avoir quatre ministres ici en studio, alors j'irai avec une petite conclusion, brève conclusion, une minute chacun. Et on débute par Sonia. Mon Dieu, quelle surprise. Merci, Émilie. Non, mais ça m'a fait plaisir vraiment de participer aujourd'hui puis être capable aussi de vous démontrer que présentement, on est dans une pandémie, on vit des moments difficiles. La priorité est la santé de nos citoyens, la relance économique avec le projet de loi 66. C'est un des éléments de la relance. Mais je pense que c'est important de vous montrer. Puis merci pour vos questions qui étaient plus larges que ça, de vous montrer qu'on est quand même au travail encore et qu'on continue pour reprendre ce que le premier ministre a déjà dit. On est capable de marcher puis de marcher de la gomme en même temps. Donc, on est là, puis on travaille encore sur nos grandes priorités. Mais toutes nos priorités sont là pour vous servir et faire en sorte que vous viviez dans un Québec meilleur. Alors, merci de nous avoir donné cette opportunité. Émilie Mathieu aujourd'hui. Alors maintenant, on enchaîne avec Pierre. Merci, Émilie. Écoutez, je pense que c'est important de comprendre que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs touche à plusieurs sphères d'activité, justement, dans les régions. Qu'on pense naturellement à nos fameux parcs. Je pense que vous avez vu l'impact que ça a eu cet été en situation de pandémie. Ça a été un succès total. Les gens de chez nous pensaient qu'on aurait peut-être des problématiques, mais au bout de la ligne, les gens ont resté respectueux, ont eu besoin d'aller dans les parcs, vivre un peu le plein air, redécouvrir même le plein air en famille avec leurs enfants. Donc, je pense que c'est un aspect important. On pense aussi à notre faune, au niveau de la faune, nos plans de gestion de plus en plus
On essaie de faciliter la réglementation de nos plans phoniques. On a des belles affaires qui s'en viennent prochainement. On veut améliorer justement le projet, la loi sur la conservation au niveau des chiens de sang, par exemple. C'est des choses qu'on travaille présentement. Je pense que ça va donner des actifs améliorés pour la faune et naturellement la forêt. Comme je vous l'ai mentionné en début de reportage, au niveau du mois de novembre, on a encore d'autres annonces qui s'en viennent. Je pense que vous allez être très, très heureux de voir un peu le travail qui se fait en amont présentement pour améliorer la société québécoise pour le futur. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, Marie-Ève, de ton côté. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... On parle des régions. Les régions sont au cœur de nos actions à la CAQ. Puis ça commence à paraître aussi dans le discours public, dans le discours de tous les secteurs de la société. Ça me fait extrêmement plaisir. On a cette préoccupation au cœur de nos actions, peu importe le ministère dans lequel on évolue actuellement. Puis ça fait du bien au Québec. On sent la fierté revenir dans toutes les régions. Puis ça, c'est majeur actuellement. Donc, on travaille extrêmement fort, pandémie ou pas, pour faire évoluer les entreprises en région, pour faire évoluer la place des citoyens également dans les régions. C'est important pour nous. On a besoin de vous aussi, des membres à la CAQ, pour continuer de porter nos idées, porter nos actions. On compte sur vous. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Marie-Ève. Et maintenant, François. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Vous allez nous voir travailler très fort, encore une fois, dans les prochains mois pour soutenir différents secteurs, comme je vous le mentionnais dans le préambule de notre panel. Secteur aérien, on a mis 40 millions de dollars pour être capable de desservir et de s'assurer d'une desserte convenable, minimale, pour toutes les régions du Québec avec le retrait d'Air Canada sur différentes destinations. Il y aura aussi le transport interurbain, plus de 8 millions de dollars qu'on a mis aussi pour assurer le transport minimal aussi de ces différents passagers qui ont besoin d'être transportés dans tout le territoire québécois. Transport en commun, je l'ai mentionné, 1,2 milliard qui ont été investis. Puis je ne veux pas oublier aussi deux autres secteurs importants, qui est le ferroviaire. Ferroviaire, on est à finaliser puis à remettre à niveau tout le secteur de la Gaspésie que nous possédons pour être capable d'un jour retrouver une desserte normale avec Via Rail, la stratégie maritime, des investissements importants dans les différents ports du Québec, dans nos aéroports aussi que nous possédons et ceux que les municipalités possèdent. Donc, on va tout faire pour être capable de soutenir le plus possible nos différentes régions du Québec avec nos différents programmes. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces excellentes réponses, chers collègues. C'est malheureusement tout le temps que nous avions et les réponses aux questions qui n'auraient pas été répondues, qu'on a reçues au parti, vont suivre dans les prochains jours. Ça a vraiment été intéressant d'entendre tous vos points de vue. Émilie, est-ce qu'on est arrivé au moment de ton fameux invité mystère? Eh oui, Mathieu. Mais avant son discours, on va se remémorer quelques moments du Congrès jeune et ensuite... une petite vidéo pour se motiver à accueillir notre invité. Ce qu'on vit présentement a déjà transformé notre société et c'est pourquoi la vision de notre génération est incontournable dans ce grand changement. La première responsabilité d'un État, c'est de s'occuper de son monde. C'est pourquoi la relève a repensé l'agriculture avec l'autonomie alimentaire en tête. On veut naturellement supporter nos grosses productions, mais on veut faire en sorte que dans tous les milieux, qu'on puisse ultimement avoir des projets de faire, parce qu'ultimement, ça devient un projet de société. C'est démontré. Les Québécois sont tombés en amour avec le télétravail. C'est ainsi que la relève de la CAQ propose que le gouvernement appuie le développement du télétravail dans le plus de domaines possible. C'est les personnes qui font le plus de temps supplémentaire non rémunéré en télétravail. C'est important de tenir compte des répercussions humaines du télétravail. Et comment les gouvernements pourraient-ils mieux venir en aide aux jeunes? Soutien psychosocial dans le secteur public est peut-être un peu plus difficile pour cette tranche d'âge-là. La meilleure réponse du gouvernement, ce sera donc de protéger les jeunes. La relève défendra toujours l'équité intergénérationnelle. Et l'équité, ça passe aussi par la garantie d'un environnement propre pour les futures générations. La relève donne une voix à notre génération pour repenser Québec à notre image, parce que Québec de demain, c'est nous. Ayez des buts, ayez des rêves. Que ce soit la politique ou autre chose, n'arrêtez jamais de croire en vous. L'avenir est devant vous. Lâchez pas. Merci d'être là, les jeunes. Merci aux gens donc, qui ont interagi. Vous rajoutez de la couleur dans ce congrès-là. Ayez de l'audace. Ayez pas peur de changer les choses. Des fois même, les bousculer.
Moi, j'ai confiance en vous autres. Je suis très, très fier de vous autres. Merci tout le monde. Le 1er janvier 2020, tout le Québec entrait de plein pied dans une nouvelle décennie remplie de promesses. Le gouvernement avait le vent dans les voiles, les Québécois étaient de plus en plus fiers d'être Québécois, l'économie se portait à merveille. Et le gouvernement de la CAQ continuait de remettre, comme il l'avait promis, le Québec à l'endroit. Or, voici que le 12 mars, l'inimaginable s'est produit. Le Québec a dû se mettre sur pause pour affronter un ennemi à la fois invisible et totalement imprévisible, la COVID-19. Au-delà des inquiétudes qu'elle a créées et des deuils qu'elle nous a imposés, ce qu'il faut retenir de cette pause forcée, c'est qu'elle nous a aussi permis de voir à quel point les Québécois peuvent être solidaires les uns des autres quand il le faut. Et à quel point aussi nos 76 députés sont pleinement engagés envers leurs concitoyens. On peut être fiers de tous ceux et celles qui se sont donnés pour mission de faire plus, faire mieux, chaque jour, peu importe les épreuves. Et surtout, surtout, le Québec est rassuré de savoir que son gouvernement est dirigé par un premier ministre qui pense non seulement à la santé de son peuple, mais aussi à son avenir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le chef de la CAQ et premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous retrouver à un congrès de la CAQ. Je veux commencer par remercier toute notre équipe qui s'est vraiment démenée pour s'adapter à la pandémie. Donc, un gros bravo. Je veux aussi vous remercier, les militants qui sont là. Merci d'abord d'être avec nous. Merci aussi de continuer de croire au changement. Et merci aussi à tous ceux et celles qui sont impliqués dans notre société depuis le début de la pandémie pour aider leur monde, aider entre autres les personnes qui sont toutes seules. Donc, c'est pendant une grande épreuve qu'on voit la grandeur d'un peuple. I would also like to thank our fellow English-speaking Quebecers, and I want to tell you that our party welcomes you with open arms, and we're all going through these difficult times together. And we want to bring everyone together to come out stronger. We want everyone to be proud Quebecers. J'aimerais pouvoir vous dire que le pire est derrière nous, mais c'est pas fini. La guerre est pas gagnée. Il y a encore des mois difficiles devant nous. Puis il s'agit de voir ce qui se passe en Europe, entre autres en France, mais aussi dans certains États aux États-Unis. Dès qu'on pense qu'on est bon, le virus y revient deux fois plus fort. Je sais que c'est pas facile, mais on a un devoir de faire des sacrifices. On doit ça à nos aînés. On doit ça aussi à nos enfants. On veut qu'ils restent à l'école, qu'ils aient une enfance un peu normale. Et malgré tout, il y a de l'espoir. On réussit à stabiliser le nombre de cas et on doit ensemble continuer de la casser, cette deuxième vague. Et quand je dis qu'il y a de l'espoir, je ne parle pas juste de notre bataille contre le virus, je parle aussi de notre bataille pour relancer notre économie. Ce n'est pas une petite bataille. Au printemps, on a connu la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a des milliers de Québécois qui ont perdu leur gagne-pain. Et votre gouvernement n'a rien ménagé pour aider les entreprises. D'ailleurs, le Québec a été la province qui a donné le plus d'aide à ses entreprises. Puis le résultat, c'est que le Québec, c'est la province qui a la meilleure relance économique au Canada depuis l'été. Donc, il faut se dire d'abord qu'on était bien parti aussi en 2019. Soyons un petit peu chauvins. En 2019, la croissance économique au Québec, c'était la meilleure de tous les pays G7. Et cette relance économique, c'est pas seulement une question de se relever. Avec la pandémie, il y a des changements qui se sont accélérés. L'économie est en train de changer. La pandémie, c'est aussi une opportunité de relancer notre économie sur
une nouvelle base, dans une nouvelle direction. Parce qu'avec le télétravail, les achats en ligne, l'intelligence artificielle, la robotisation, c'est une nouvelle économie qui se présente à nous. D'abord, on va devoir requalifier des travailleurs dans des nouveaux domaines. Requalifier, entendez bien ce mot-là, retenez-le bien, ça va maintenant faire partie d'une nouvelle réalité. Les jeunes et les moins jeunes vont devoir retourner aux études, parfois une fois, deux fois, trois fois, pour relever des nouveaux défis dans la nouvelle économie. La pandémie, c'est aussi une opportunité de bâtir un Québec qui est plus autonome. Vous savez, en quelques mois, les Québécois ont été isolés. Puis en quelques mois, les Québécois ont pris goût à l'achat de produits québécois. Puis cette opportunité, bien, ça se présente dans chaque région du Québec. On a l'opportunité d'avoir un Québec plus prospère qui profite à l'ensemble des Québécois. Puis, vous le savez, le développement de nos régions, c'est dans l'ADN de la CAQ. Plus nos régions sont fortes, plus l'économie du Québec est forte et on a un grand chantier qui va profiter à toutes les régions du Québec, le chantier fabriqué au Québec. Une de nos grandes ambitions, c'est de rendre le Québec plus autonome. Pour ça, il ne faut pas seulement encourager les Québécois à acheter québécois, il faut aussi augmenter notre production au Québec. D'abord, en agriculture, on a un potentiel énorme. En ce moment, il y a seulement la moitié des aliments qu'on consomme qui sont produits au Québec. Donc, on travaille très fort, entre autres avec nos producteurs en serre, entre autres avec des tarifs d'électricité très avantageux. Donc, il faut produire plus de fruits, plus de légumes, ici, à longueur d'année, même l'hiver. Et on veut aussi ajouter d'autres productions, le bœuf, le vin, plein de projets qu'on a avec nos producteurs agricoles dans toutes les régions du Québec. Dans nos régions, on a aussi nos forêts. C'est une de nos plus grandes richesses au Québec. Pierre Dufour, il a revu, là, il y a quelques jours, notre régime forestier. Parce que comment vous voulez qu'une entreprise achète les meilleurs équipements si on n'est même pas capable de lui dire combien l'entreprise va avoir de bois au cours des prochaines années? Donc, comme on l'avait promis en campagne électorale, on a revu le régime pour que nos entrepreneurs forestiers puissent savoir où ils s'en vont. Et je suis convaincu que nos entrepreneurs forestiers sont capables d'être compétitifs partout dans le monde. Donc, on va transformer plus de bois ici pour créer plus d'emplois payants ici. Même chose avec nos mines. On est assis sur d'immenses réserves de métaux stratégiques dans le nord du Québec. Des métaux comme le lithium, qui sont essentiels pour l'électrification et la production de batteries. En ce moment, par exemple, il y a les États-Unis qui s'inquiètent parce qu'il y a un quasi-monopole de ces métaux de la part de la Chine. Et ils cherchent un partenaire fiable. Bien, c'est nous autres. Le Québec peut offrir ça. Puis Jonathan Julien travaille très fort pour développer ce secteur-là. Il y a aussi le tourisme qui devient de plus en plus important. Les Québécois ne vont pas recommencer à aller dans le sud ou en Europe tout de suite. Donc, il y a une opportunité extraordinaire pour nos régions. Quand les gens de Montréal vont avoir essayé nos régions, ils ne voudront plus vouloir passer leurs vacances nulle part ailleurs. Déjà, d'ailleurs, l'été passé, il y en a beaucoup qui ont pris la piqûre des régions. Puis Caroline Proulx est prête à augmenter les infrastructures d'hébergement dans plusieurs régions. Je suis convaincu qu'on va manquer de place parce que c'est tellement beau, le Québec. Quand on parle des régions, il y a un autre problème qui traîne depuis longtemps. L'Internet haute vitesse. On est en train de signer des contrats avec des compagnies comme Bell, Vidéotron, TELUS, Cogeco. Puis je peux vous dire qu'on est plus avancé en 2 ans que les libéraux en 15 ans. Donc, tous les Québécois de toutes les régions doivent avoir accès à Internet haute vitesse. On n'est pas le premier gouvernement à le promettre, mais on va être le premier à le livrer. Un autre dossier qui traîne depuis longtemps en région, c'est nos infrastructures.
J'ai fait le tour de nos régions l'été passé, puis partout où je suis passé, on m'a répété la même chose. C'est long avant de commencer à réaliser des projets. On ne parle pas de projets qui sont controversés. Là, on parle de projets où les citoyens sont d'accord. On parle d'hôpitaux, d'écoles, de routes plus sécuritaires, de maisons des aînés. Je peux vous dire que François Bonnardel connaît pas mal tous les projets de route de toutes les régions du Québec, puis il opère. C'est pas vrai que quelques petits groupes vont retarder des projets pendant des années. C'est pas normal que ça soit aussi long avant d'avoir toutes les autorisations. Puis c'est possible d'accélérer la réalisation des projets sans négliger l'environnement, puis sans tomber dans la corruption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Sonia Lebel laisserait passer la corruption? Ben non, on a un gouvernement qui est intègre, puis un gouvernement qui est efficace. Donc, l'année des régions n'a jamais été aussi prometteur. Et on ne va pas seulement miser sur les industries qui existent déjà, on veut aussi innover. Puis là, le rôle d'Investissement Québec, du nouvel Investissement Québec, va être crucial. Il y a quelques semaines, on a annoncé la création chez Investissement Québec de 17 comités de développement régional dans chacune des 17 régions du Québec. Donc, on va avoir une équipe dans chaque région avec des gens d'affaires de la place. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher les projets dans les tiroirs des entrepreneurs, pas attendre que les entrepreneurs viennent nous voir. Donc, on va aller les voir dans chaque région. Puis pour les PME, Marie-Ève Proulx va ajouter des employés dans toutes les MRC. On se rappelle, les libéraux avaient coupé dans les CLD. Bien, le gouvernement de la CAQ va réinvestir dans des nouveaux CLD, dans chaque MRC, dans chaque région du Québec. Puis notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, veut faire exploser les investissements des entreprises partout au Québec. Donc, Investissement Québec va prendre plus de risques pour créer plus d'emplois payants dans chaque région du Québec. Et pour que le Québec de demain ne soit pas seulement le Québec des grandes villes, bien, on veut un Québec qui est le Québec de tous les Québécois, le Québec de toutes les régions, le Québec dans toute sa grandeur, le Québec dans toute sa beauté. Donc, mon message aujourd'hui, c'est garder espoir. On traverse, oui, une épreuve qui est difficile. On va la traverser ensemble, mais il y a de l'espoir. On va se relever encore plus fort. On va bâtir ensemble un Québec plus prospère, un Québec plus fier. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, pour ce discours très inspirant. Émilie, le congrès spécial tire à sa fin. Merci à toutes les équipes qui ont participé et travaillé fort pour le réaliser. Merci à Maître Céline Tessier, l'équipe de toute la permanence, tous les ministres et l'ensemble des députés. Encore une fois, bravo à nos militants et à nos bénévoles. Et un merci spécial à toi, ma chère co-animatrice, Émilie. Merci beaucoup. Bien, ça a été un plaisir d'animer à tes côtés, Mathieu. Vraiment, merci pour ta précieuse collaboration. Merci à tous les membres de nous avoir suivis ce matin. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à 17 heures pour voter pour la présidence. Si jamais vous avez une difficulté, simplement contactez support@commercial-lacaq.org ou téléphonez au 1-866-416-2960. Alors sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et à bientôt. À bientôt. Hey, c'est beau, bravo Émilie. Excellent, excellent. Ouais, ouais, bien aimé ça. Bon congrès, une belle énergie. Ah oui, vraiment une belle congrès.